Salut tout le monde, eh bien, on se retrouve pour Baron Guédon en mode héroïque pour la deuxième aile de Montroche Noir, cœur du magma. Son pouvoir héroïque c'est d'infliger 10 points de dégâts à votre héros si vous n'avez pas utilisé tous vos cristaux de mana. Donc s'il y a bien un héros qui aime bien qu'on lui inflige des points de dégâts, c'est le démoniste. Donc du coup, là on va prendre un deck Handlock assez classique avec Mortal Coil, Zombie, Dark Bomb, etc. Donc c'est presque le deck que vous pourriez retrouver sur ladder sans trop de problèmes. Donc il y a des cartes qui, enfin on a une répartition en mana qui est assez constante. On a des cartes qui coûtent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire plus. Donc ça nous permet d'éviter de se prendre 10 points de dégâts. En tout cas, il faut essayer d'éviter au maximum. Et si jamais vous prenez 10 points, vous pouvez rapidement poser les géants. Et là, il n'aura pas grand-chose à faire. Donc c'est parti, on va tenter avec un deck un bloc. Shall be mine. Ragnaros will consume you. Donc la main de départ est plutôt pas mal puisque j'ai une carte à 1 point, une carte à 2 points, une carte à 3 points. Au deuxième tour, je prendrai plutôt mon pouvoir héroïque. Vous voyez, Baron Guédon en mode héroïque, il a 100 points de vie. Enfin, 50 points de vie et 50 points de bouclier. Donc, le zombie en début de partie est vachement utile.
I have no time for games. I got this. Doctor. None survive. Let none survive. Bathe in flame. I'm almost out of cards. Ça doit être le défenseur d'Argus, la carte restante. Parce que je l'attends depuis un moment pour activer les guetteurs anciens. Je vais aller chercher. Ah bah non. Ah, j'ai pas de défenseur d'Argus dans le deck.
Araxes, Elidal Lord of the Burning Legion. Vous voyez, le deck Handlock est quand même très utile face à Baron Guédon. D'une part parce qu'on a des cartes, on a une bonne répartition du coup en mana. On a aussi des cartes qui, comme les géants de lave, qui nous permettent de profiter des points de dégâts subis par notre héros pour poser des gros serviteurs. Donc voilà, c'est on a beaucoup de cartes pour se soigner également. Donc là, j'ai eu qu'une seule fois le pouvoir héroïque de Baron Guédon en action. Il me semble que c'était qu'une seule fois, ouais. Donc ça permet quand même de rester en vie, parce que le prendre une fois ça va, deux fois ça devient quand même très compliqué. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le dernier boss en mode héroïque de Cœur du Magma, Ragnaros, et Majordomos Executus juste avant. A tout de suite.